Des visages extrêmement concentrés, à commencer par celui du capitaine Aïssa Mandi. Une défense attendue aussi du côté des Fenech, place à l'hymne national tunisien. Les Tunisiens qui avaient battu leurs voisins algériens lors de la seule confrontation entre ces deux grandes nations, entre ces voisins dans l'histoire d'une Coupe d'Afrique des Nations. C'était en phase de groupe en 2013 en Afrique du Sud. Un succès 1-0 grâce à Msakni. Un but inscrit à la 91e minute. Brahim, c'est un match très très important et pour les Algériens et pour les Tunisiens aujourd'hui, de manière pour l'Algérie et la Tunisie à lancer tout simplement enfin cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, effectivement, pour les Algériens, que l'on dit aussi grands favoris de cette compétition, qu'on démarrait timidement et dans la douleur, on va dire, contre le Zimbabwe, même si la seconde mi-temps était plus intéressante dans le contenu, et des Tunisiens qui ont été défaits par les Lions de la Teranga dans un premier match où ils sont passés à travers la première mi-temps, et la deuxième a été nettement meilleure, notamment avec beaucoup d'occasions qui n'ont pas été concrétisées. Donc voilà, le décor est planté entre deux grosses nations de notre football africain qui ont pour mission d'aller dans ce dernier carré de cette compétition. Mais avant toute chose, il faut gagner des matchs, et c'est dès cet après-midi qu'il va falloir le faire pour les compagnons de Mahrez et de Sliti. Et côté Fenech, ça se fera malheureusement sans Raïs Mboli, blessé, tout comme Hilal Soudani. Un 4-2-3-1 qui devrait être maintenu, même si on en présente le schéma en 4-3-3 avec Guedioura toujours associé à Ben Taleb. Et puis les deux seuls changements, hein, ceux-là dans les buts, et puis Rachid Ghezal, titulaire dans le couloir gauche. Oui, une formation classique au-delà des absences qu'on a remplacées numériquement. Mais on va axer notre réflexion notamment sur le contenu et le bloc équipe de cette équipe d'Algérie qui peut être son meilleur ami ou son meilleur ennemi, on va dire. Il va falloir absolument que tout le monde soit concerné par cette récupération de balle, cette phase de transition. On sait qu'attaquer, ils y arrivent avec facilité, les yeux fermés, mais défendre, c'est plus compliqué. On a encore pour souvenir ce premier but encaissé sur le côté gauche avec le travail de Mahrez qui avait été un petit peu oublié sur le plan défensif. Voilà, c'est ce qu'il faudra absolument faire pour les Algériens, proposer un contenu de match intéressant sur 95 minutes. La pointe main entre les deux capitaines avec Ahmed Matlouti, 63e sélection pour le gardien tunisien, et Aïssa Mandi du côté des Fenech. Le 11 de départ des Aigles de Carthage, le voici avec un 4-4-2 en losange dans lequel on retrouvera notamment Ferjani Sassi dans ce rôle de sentinelle. Puis à noter la titularisation de Wabi Kazri qui avait été très bon lors de son entrée en jeu face au Sénégal. Oui, qui va avoir un rôle important. Alors on va regarder ce qui va être important aussi, le trio entre Sassi, Ben Youssef, Abdennour, l'axe fort de cette défense tunisienne, cette défense qui avait été un petit peu mise aux abois, on s'en rappelle, contre le Sénégal et notamment face à Sadio Mané. Kazri, Sliti qui vont être les leaders, les dépositeurs aussi du jeu tunisien sur le plan technique. Sliti qui avait été très bon en deuxième mi-temps, et comme il a dit, il a aussi la responsabilité vis-à-vis de son équipe de prendre les choses en main. Et Msakni et Akashi qui a trouvé pas mal de situations, qui n'a pas pu les concrétiser. Voilà, le décor est planté, beaucoup de qualité sur ce terrain pour nous faire vivre une belle rencontre. De cette affiche de la deuxième journée du groupe B, derby du Maghreb entre l'Algérie et la Tunisie, l'un des matchs les plus attendus sans aucun doute de cette deuxième journée de phase de groupe, avec une équipe d'Algérie qui doit malheureusement se passer des services de Raïs Mboli ou encore d'Hilal Soudani. Il y avait également des incertitudes autour de Faouzi Goulam ou encore Islam Slimani. Les deux sont bien là malgré des douleurs à la cuisse et aux adducteurs pour l'attaquant de Leicester. Et en face, une équipe de Tunisie qui va avoir à cœur bien sûr de faire oublier cette défaite face au Sénégal, même si dans le contenu, vous le rappeliez très justement Brahim, il y a eu de bonnes choses du côté des joueurs d'Henri Kasperzak, avec surtout un grand manque de réalisme. Ouais, exactement. Après, dès qu'il y a eu un peu plus
de densité et des lignes serrées, ça a été mieux, hein, notamment avec vu des joueurs comme Sliti, Kadri, qui avaient été plus à l'aise dans la récupération de balle, qui avaient moins aussi de chemin à parcourir. Et c'est dans ce sens-là qu'il va falloir être attentif pour les Tunisiens. Maguez avec Wahbi Kadri. Et le premier ballon récupéré par Yassine Brahimi, cherché à transmettre à Islam Slimani. Est-ce qu'il y a quelque chose sur Rachid Ghazal? Pas de coup de sifflet de l'arbitre central qui nous vient des Seychelles, monsieur Bernard Camille. Important de vendre les premières secondes, l'intensité de mise par les Algériens. Il n'y en a vu que très très peu face aux Zimbabwe. Les premières minutes sont souvent capitales. Côté tunisien, on peut s'apercevoir d'entrée que aux côtés de Ferjani, Sassi, l'ancien Messin, est placé pas très loin à Benamor aussi pour pas trop déserter ce côté de la sentinelle qui est toujours importante pour défendre, toujours avoir une sécurité. Avec Kadri et Msakni et Sliti un peu plus haut, même si là c'est Abdenour qui va louper un petit peu son partenaire, Maloul. Et petite précision aussi côté algérien, on pouvait s'attendre à voir Rachid Ghazal dans le couloir gauche. Pour l'instant c'est Brahimi débuté dans ce couloir gauche et Rachid Ghazal en soutien d'Islam Slimani. Le voici Ghazal qui est recherché, chercher une remise pour Riyad Mahrez. Le coup de sifflet, coup franc en faveur des Fenech. Et on va demander certainement pour les Fenech justement, tant qu'il y a un équilibre équipe, d'essayer de changer de poste, de ne pas hésiter pour essayer de perturber le bloc et l'aspect défensif tunisien, de ne pas rester statique un petit peu chacun dans sa position en attendant ce bon premier coup de pied arrêté de Riyad Mahrez. Le pied gauche de Riyad Mahrez, montée d'Aïssa Mandi, montée de Ben Sebaini également, c'est bien frappé de la part de Mahrez, c'est repoussé à l'entrée de la surface par Ferjani Sassi. Brahimi. Oh, il est seul, il n'y a pas blanche aussi. Ouh. On s'est attardé à se lever du côté de l'assistant de monsieur Camille. Il était bel et bien en position de hors-jeu, Aïssa Mandi. Ouais, il avait été quand même un petit peu oublié marquage, le joueur du Bétis de Séville. On voit Aïssa Mandi sur le départ, il n'était pas du tout hors-jeu en plus. Absolument pas. Ouais, c'est pour ça que j'ai commencé un petit peu à m'emporter, mais il me semblait bien que Ben Youssef avait au moins 1,5 mètre de retard sur la couverture. Et bien voilà, une première occasion pour les Fenech. Attention, on a parlé, Xavier, de la défense tunisienne. Attention à l'alignement. Guédura avec Slimani va chercher à profiter justement de cette imprécision axiale du côté des Aigles de Carthage. C'est Aymen Abdenour. Il est en grande difficulté, Aymen Abdenour. Ça a été le cas face au Sénégal et ça l'est déjà dans ses trois premières minutes avec un coup franc idéalement placé en faveur des Fenech. Oui. On l'a vu sur la possession de balle, on a oublié de monter, mais tout en serrant le marquage et sur une première touche avec Islam Slimani, avec ce jeu de corps dont il a le secret, qu'il a pu encore travailler en Angleterre depuis qu'il est à Leicester. En tout cas, il va permettre une fois de plus, mais celle-là c'est une demi-occasion de but pour Oumarez ou Brahimi. Et également Faouzi Goulam pour la solution en force. Peut-être un décalage pour le latéral du Napoli. Il y a du monde aux côtés du ballon. C'est une première très très bonne situation en faveur des Fenech. On a vu ces Guédura et Ghazal pour essayer de combler ce petit espace entre le mur et Wahbi Kadri pour masquer la visibilité à Matlouti. Et pourquoi pas Yassine Brahimi pour contourner le mur également. Il y a un côté très très ouvert à gauche de Matlouti. Et ce sera pour Brahimi. Oh, c'est claqué au-dessus de sa barre transversale par Matlouti. Ouais, c'est bien joué, il y avait plusieurs possibilités. C'est Yassine Brahimi, on l'a vu, il s'est appliqué pour que ce ballon ne puisse pas trop monter, mais surtout descendre rapidement. Il a manqué un peu d'angle pour essayer de tromper le gardien tunisien. Un bon début de match de la part des joueurs de Georges Lekens. Une nouvelle phase arrêtée avec ce corner. On va retrouver une nouvelle fois le pied gauche de Riyad Mahrez. Il y a du mouvement et là il va falloir être vigilant parce que entre la grande taille de Naguez, la mobilité de Slimani qui compte pas se laisser faire et se prendre Naguez de pleine face. Ouais, c'est bien frappé, premier poteau, c'est dévié, l'arrêt d'Aymen Matlouti. Quel arrêt de grande classe de la part du gardien tunisien. Quel réflexe de Matlouti, nous reverrons ça tout de suite.
sur ce coup de pied arrêté et bien dévié au premier poteau intelligemment de la part de Ben Sebaïni. Et derrière l'altruisme et la spontanéité d'Islam Simani qui n'a pas pu tromper le gardien tunisien. Voilà déjà les occasions, Xavier, on peut dire pour le moment, temps fort du côté des Algériens. Ils ont pris le match par le bambou, les joueurs de Georges Dickens. Quelle déviation de Rami Ben Sebaïni. Et c'est rare de voir Islam Slimani se tromper un petit peu dans ce genre de geste, même s'il est tombé sur un très grand Aimé Matlouti. Le déplacement était superbe. Ouais, c'est pas évident parce qu'il y a très très peu d'espace, mais malgré tout, on a vu, il avait eu un demi-mètre sur Nagez. Et là, ce ballon est bon. Ce ballon ça est très bien bon. Fait avec Naïm Slidi qui peut contrôler la Maloul en soutien. On va passer par Ferjani Sassi. Naïm Slidi qui fait l'effort, mais il est dépossédé du ballon par Riyad Mahrez. L'accélération de Mahrez. Passer l'attaquant des Foxes pour lancer Slimani à la lutte avec Siam Ben Youssef. Et toute l'expérience et la sérénité d'Aimé Matlouti. Un total régal du gardien tunisien tranquillement, sans s'affoler. C'est aussi une manière de transmettre un message à ses partenaires, notamment à sa ligne défensive. On peut être en difficulté, pressé, garder la lucidité, faire le geste juste dans la bonne zone. Intervention Ben Sebaïni sous la menace d'Akashi, remise en jeu en faveur des Tunisiens. Georges Lekens qui est rappelé un bon match, avoir une entière confiance en son joueur, en ses joueurs, en son groupe. Il rappelait aussi qu'il connaissait parfaitement cette sélection tunisienne, qu'elle n'avait aucun secret pour lui. On se souvient bien sûr qu'il avait été quart de finaliste de la dernière CAN en 2015 avec les Aigles de Carthage. Attention, c'est pas qui traîne. Ouais, avec Ben Sebaïni, il cherche à écarter le danger. Ça revient dans les pieds de Wabi Kazri. C'est bien, il faut mettre la pression sur ces longs ballons. On avait Ayman Abdennour qui n'a pas pris de risque avec ce ballon en première intention. Il faut aller presser, être proche au deuxième ballon. Sakni avec Nagez. Ben Amor. M. Sakni. Passe par Ayman Abdennour. Et toujours hein, cette même disponibilité d'Ali Maloul. Très bon pied gauche. Slity contre l'approximatif. Gazal qui est pensé récupérer. Ce ne sera pas le cas. L'accélération de Slity. Bien repris par Riyad Mahrez. Pour l'instant, il est attentif hein, dans son repli défensif. Riyad Mahrez. Bien sûr. Ça a été très très compliqué. Ça n'a pas été le cas surtout face au Zimbabwe. Ça c'est une faute inutile de la part de Guedjura, c'est déjà joué de la part des Tunisiens. Oui, un petit peu trop vite. Ouais. Attention, hein, c'est faute sur Msakni, dos au but, c'est pas dangereux. C'est pas la zone où prioritairement il faut anticiper, on l'a vu avec ce petit tirage de maillot. Ça va mettre un peu de pression sur son équipe. Qui pourrait avoir de lourdes conséquences effectivement, surtout quand on connaît la qualité du pied droit de Wabi Kazri. 30e sélection aujourd'hui. Ouais. Alors, le terrain de Sunderland, très très fort au premier poteau, il va falloir couper la trajectoire pour les Tunisiens. Ah, c'est bien frappé, et c'est direct de la part de Kazri, repoussé des deux points par Malek Asela. Et ça c'est une bonne intervention aussi de la part du remplaçant de Raïs Mboli, un match et une entame pas toujours évidente à négocier. Ouais. Il n'y a que 20 ans hein, simplement, Malek Asela. Ouais, gardien de la JSK. Et là, il aura été décisif sur cette trajectoire qui était très très difficile. C'est bien, c'est une première intervention pour lui, pour se mettre en confiance et pour transmettre aussi lui à ses partenaires, malgré son inexpérience au niveau international, de montrer qu'il est pleinement dans son match. La remise en jeu de Mohamed Meftar, Ghezal, Guedjura en une touche. On a Bill Bentaleb qui oriente dans le couloir gauche vers un Faouzi Goulam. Il comptait sa séance, le latéral du Napoli hier. Petite alerte au niveau de la cuisse. Il arrive bien là, la frappe de Guedjura. Et le ballon boxé. Fini. Des deux points par Aimé Matlouti. La frappe puissante, flottante d'Atlet Guedjura. Ouais, la patate de la part de Guedjura qui a fait la différence sur son contrôle, on l'a vu, qui a pris le meilleur sur Tsakni. La manière dont il s'est employé, on le voit, cet équilibre parfait sur cette frappe. Et Matlouti qui n'a pas pris de risque. Très très belle frappe, on le voit. Hein. Beaucoup de détermination dans son regard.
changement de tireur. Cette fois-ci, c'est Yacine Brahimi. Attention, ce premier poteau, le mouvement. On voit le petit regroupement. Toujours difficile pour un défenseur de marquer un joueur. Avec Slimani qui est parti de très très loin. Islam Slimani, accrochage aussi. Monsieur Bertrand Camille, je sais pas comment il va faire. Même s'il est costaud, il était avec nous dans l'avion hier. On a vu un t-shirt. Ouais, juste à côté. Ouais. Il est pas aussi costaud que moi, mais il est costaud. Non, mais il va falloir mettre de l'ordre tout de suite, hein, parce qu'il y a du gabarit, il y a du mouvement. On voit, hein, avec Slimani qui colle Goulam Bentaleb pour pas être pris au marquage. Et justement, c'est Nagez qui est en difficulté. C'est parti pour Brahimi, il s'est tiré au deuxième poteau, la petite poussette. Il faut passer devant. Pour Riyad Mahrez, il y en avait une un petit peu plus tôt. Il faut passer devant pour Riyad Mahrez là. De la part de Nabil Bentaleb. Il faut revoir ce marquage difficile. Nagez qui a regardé ailleurs l'espace de quelques secondes. Et Slimani qui en a profité pour s'échapper. Le 46e derby, toute compétition confondue. Algérie qui a signé 19 victoires, 13 simplement pour la Tunisie. C'est avec la deuxième fois, on disait qu'ils se croisent en Coupe d'Afrique. Pour l'instant, la seule confrontation a été remportée par les Tunisiens grâce à M. Sakni. C'est un match toujours à part, cette rencontre entre l'Algérie et la Tunisie. Il y a M. Sakni aussi, qu'on n'a pas vu beaucoup depuis le début du match. Nagez avec Akaishi qui est venu un petit peu dézonné. Le centre vers Wabi Kazri. La bonne prise de balle de Malek Asla. Akaishi qu'on préfère voir dans l'axe, hein, laisser sur les côtés des joueurs. Ils sont capables de centrer. Lui, on va lui demander d'être dans la surface de réparation. Oh, attention, Guédiora est arrivé le pied en avant. Avec la semelle, il est sanctionné par Monsieur Camille. Ce sont les duels du premier quart d'heure où il faut gagner aussi cette bataille psychologique. On voit un peu de retard, il n'a pas vraiment touché Guédiora. C'est l'intention, simplement, ouais, avec, bien sûr, cette semelle. Ouais, bon pressing. Ouais, bon travail avec la récupération de Riyad Mahrez qui a Rachid Ghezzal à ses côtés. Donc voici servi le milieu terrain olympique lyonnais, Ghezzal face à Imen Abdelour. C'est conservé pour l'instant par les Fenech avec Guédiora. Dépossédé du ballon par Benamor. Et encore une fois sanctionné. Attention, ça commence à faire beaucoup. Hein. Déjà pour Adlène Guédiora. C'est Camille quand même. Elle est déjà averti. Après 13 minutes de jeu, un petit peu plus simplement. Il y a faute, c'est sûr, mais bon, ça mérite pas des cartes. Alors, Monsieur Camille, il déséchelle. Hein, c'est différent. Non, mais ça peut être différent dans l'interprétation de certaines fautes. Sur certains matchs, on a vu beaucoup de tampons, de taquets, d'arbitres, qu'on a l'habitude aussi d'arbitrer des matchs sur le continent africain, même si Monsieur Camille le fait aussi. Mais on a vu pas mal de tampons pour lesquels aucun carton jaune n'est sorti. Contrairement à ça, ça peut handicaper Guédiora, qui est quand même le fer de lance en termes d'état d'esprit, d'impact de ce milieu de terrain algérien. Mais comme on dit, maintenant c'est fait. Sian Ben Youssef avec Ayman Matlouti. Les Tunisiens qui ont un peu de mal, hein. Il avait montré aussi, il faut venir entre les lignes, c'est ce que fait Benamor intelligemment. Avec Sliti qui vient décrocher aussi, Naïm Sliti. On trouvait Benamor l'intervention de Yacine Brahimi. Goulam. L'appel de Ghezzal devant lui, la profondeur réclamée par Islam Slimani dans la surface de réparation face à Imen Abdelour. Il va attendre l'arrivée de Riyad Mahrez. Il a hésité à prendre sa chance, Riyad Mahrez en première intention. Conservé. Puis trouver la solution en retrait avec Yacine Brahimi. Mahrez. Goulam. Le bon moment de Fawzi Goulam pour Rachid Ghezzal. Dans la surface, Ghezzal qui tente de déborder. Voilà qui est fait, le centre de Ghezzal vers Slimani. Il est un tout petit peu trop profond, ce ballon, malheureusement. Et on a vu encore une fois la difficulté de la charnière tunisienne sur ces longs ballons, ces longues ouvertures. Slimani qui très très facilement avait fait la différence entre Abdelour et Ben Youssef. Oui, après, ce qui n'est pas normal entre Ben Youssef et Abdelour, c'est qu'on voit la passe, hein, qui alors qu'on revoit la photo au passage, on voit au départ l'intention passe, le de long passe. Donc là, quand on est défenseur, il faut anticiper un petit peu, soit dans ton dos en étant un petit peu de,
de côté, ou alors il faut aussi que Abdennour ait couvrir le dos à Ben Youssef, et Ben Youssef vienne se replacer à sa place. Mais on voit de loin déjà l'intention de jouer long sur certains coups pour Slimani, qui aime bien prendre la profondeur. Souvent les deux mêmes protagonistes pour se charger de ces coups de pied arrêtés. Le pied droit de Yacine Brahimi, ou la patte gauche du Riyad Mahrez. On va peut-être mettre Brahimi en contournant là-bas derrière le dos d'Akashi. Ce sera en effet pour Brahimi, ah, et c'est capté. Joué, c'est dommage. Sans problème par Ayman Matlouti, qui relance aussitôt avec Nsakni. Ah, c'est très très bien joué. Pendant que Ben Sebaini et Ben Youssef sont en train de jouer. Un très bon appel d'Akashi. Il a été vu, Akashi, il n'y a pas de position de hors-jeu. Akashi dans la surface de réparation. Il a été légèrement déséquilibré. Juste ce qu'il fallait pour ne pas se saisir de ce ballon. Ouais, il fallait, parce que sur ce très bon ballon, on voit cette contre-attaque mené par Nagez, et le très très bon ballon Fayouzi Gulam qui est un petit peu court, et derrière on ne peut pas commettre de faute de la part de Guedjura. Akashi qui a dû lutter mais qui a oublié, et le retour de Mefta qui est venu bien couvrir le dos à son défenseur. Et le corner, mais cette fois-ci en faveur des Aigles de Carthage. Le pied gauche de Maloul pour le frapper, deuxième poteau, c'est long, ça va être récupéré par Akashi. Attention à ne pas le perdre avec Ben Amor qui est un peu court face à Riyad Mahrez. Ouais, il est venu l'accrocher, bien sûr. Ah là, M. Camille, il est quand même gentil, parce que c'est au départ, il y a les deux, hein, quand même, qui effectuent la même faute. Sur ce ballon perdu par les Tunisiens, l'effort de Ben Amor. Bon, on revoit, chacun il va du... Voilà, il a peut-être fait un geste de plus, Ben Amor, du bras qui a incité M. Camille à donner la faute aux Algériens. Ils sont bien rentrés dans le match, cette fois-ci. Ben Taleb avec Ghezal. Ça peut être un paramètre vraiment très important, hein, ce carton jaune pour Guedjura. On encore voit le sauvetage acrobatique dont a le secret Ayman Abdennour, qui nous en avait gratifié lorsqu'il était à Toulouse et à Monaco. Ce jonglage ciseaux retourné pour se dégager. Vers Janis Sassi. Karevic qui a dû les crochets, il a pu trouver Ben Amor. Il est du côté de Nagez. Sakni. Appel de Maloul, il est un petit peu tardé. Youssef Msakni conserve le ballon pour l'instant. Cherche à combiner avec James Litty, ça peut profiter à Akashi face à Mefta. Et revoici Akashi, le centre directement sur la tête de Aïssa Mandi. Et là aussi la petite semelle d'Islam Slimani, coup franc en faveur de la Tunisie. Aperçoit Ferjani Sassi, 29e sélection pour l'ancien milieu de terrain du football club de Metz. Il s'est imposé, hein, comme un titulaire indiscutable aussi au sein de cette sélection et aux yeux de son sélectionneur Henri Kachberzak. Qui était encore au FC Metz lorsqu'ils étaient en Ligue 2, après une saison en Ligue 1. Allez, un bon coup franc pour Wabi Kazri. Frapper directement. Allez. Il peut le frapper directement à cette distance-là, Wabi Kazri. Il va le frapper directement, il est à la frappe pour. Il peut la frapper très très fort, enroulée à droite du but de Malek Asla. La concentration de Wabi Kazri s'est travaillée, c'est directement dans le mur et ça a été contré par une main algérienne. Le coup franc qui va être encore mieux placé pour le numéro 10 des Aigles de Carthage. Alors on voit la main de Slimani, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Slimani a dit non, il n'y a pas de main. Non, il n'y a rien. Mais ça n'a pas échappé à M. Camille. Mais attention, parce que ce manque de maîtrise dans le geste d'Islam Slimani pourrait bien avoir de lourdes conséquences. Avec Wabi Kazri qui avançait de 4-5 mètres. Ah ouais. Ah ouais. Il va retenter la même en soulevant le ballon. Et en faisant retomber très très vite. Wabi Kazri, ça a été touché corner en faveur des Tunisiens, qui après une bonne entame algérienne sont en train de bien rétablir les choses. Cette fois-ci, il a voulu jouer côté gauche, hein, du but de Asla. Il a misé sur l'anticipation du gardien algérien. Ce ballon a quand même été contré.
Gazri et Malou, le côté du ballon, ce sera frappé directement. Oh, au premier poteau. Oh, quelle occasion. Quelle occasion énorme pour la Tunisie. Avec ce ballon qui est passé devant les buts de Malek Asla. On le revoit, il y a surtout, alors je ne sais pas si c'est une volonté de la part de Malek Asla de mettre personne au premier poteau. Mais c'est avec beaucoup de chance que ce ballon est passé au premier poteau. Avec l'appel de Msakni suivi par Goula, mais derrière Akashi qui a été un petit peu trop court. Il a légèrement dévié, hein. Cela on l'a vu, ouais, sur ce corner qui a été parfaitement frappé de la part de Wami Kazri. Je regarderai Xavier, ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y ait personne au premier poteau de la part des Tunisiens sur un corner du même côté que le ballon, c'est étonnant. Brahimi est parti dans ses œuvres, Yacine Brahimi, il a pu trouver Slimani qui écarte aussitôt dans le couloir gauche vers Rachid Ghezal. Ghezal face à Ben Youssef, le centre de Ghezal. Fort fourni à l'opposé par Mefta qui remet en une touche à son tour vers Riyad Mahrez. Ils ne parviennent pas à se dégager les Tunisiens. Ghezal. Oudi Goulam. Riyad Mahrez. Centre de Mahrez contré par Ben Hamor, remise en jeu. Et il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti ce ballon. Toujours dans les limites du terrain avec le superbe contrôle orienté d'Emsakni. Et dans cette situation, il peut faire très très mal. Youssef Emsakni avec la vitesse qu'on lui connaît. Sliti. Emsakni du bout du pied pour Wahbi Kazri. De l'espace. Wahbi Kazri pour repiquer et prendre sa chance. Kazri. Le petit rebond ne viendra pas tromper à cela. Et il avance aussitôt avec Yassine Brahimi. On prend temps du côté algérien. Avec 8-9 joueurs dans sa propre partie de terrain. Seul Slimani est en pointe. Ça manque peut-être d'un joueur un petit peu plus haut là, dans la zone de Ben Hamor, côté algérien. Parce que Ghezal est venu décrocher aussi. Hein. Ouais. Et il faut le prendre sa place. Qui a très très peu l'habitude d'évoluer dans l'axe. Évitant de se situer aussi pour lui. Milieu terrain de l'OL. Ben Sebaini avec Brahimi. Et voilà, Brahimi a lui a plus la possibilité, le rôle de ce numéro 10. Ben Taleb qui perd le ballon face à Ben Hamor. Ils ont bien rectifié le tir, hein, les Tunisiens. C'est bien fait de la part d'Akaïchi avec Naïm Sliti. Lancé plein axe, Naïm Sliti. Le dernier crochet ne fonctionnera pas face à l'excellent Rami Ben Sebaini. On voit déjà l'équipe d'Algérie qui est coupée en deux. Brahimi, le départ de Slimani. Slimani à l'entrée de la surface qui revient. Derrière Mahrez, l'intérieur du pied droit. Une nouvelle fois capté en deux temps par Ayman Matlouti. Qu'est-ce que c'est bien joué. Il combine avec beaucoup de facilité tout de même les Fenech dans cette surface de réparation tunisienne. Oui, alors on a dit que ces deux joueurs ont des automatismes du fait qu'ils évoluent ensemble au club, mais ce très très bon ballon de Slimani, alors que les trois quarts des attaquants peut-être auraient frappé au but. Avec cette belle passe en retrait de la part de l'attaquant de Leicester. Et bon déplacement de Msakni. Il a coupé sa course, il était en position de hors-jeu. Même s'il semble indiquer à l'assistant de M. Camille qu'il ne l'était pas, Youssef Msakni. On revoit. C'est très très bien joué cette passe en retrait. Tout le monde a les yeux rivés vers son but. Est en train de reculer au moment où Riyad Mahrez a eu l'intelligence de stopper un peu sa course pour recevoir ce ballon. Il avait pris l'information, Slimani. Pour son partenaire de club. C'était appliqué, hein. Riyad Mahrez, on sait que le pied droit est loin d'être son meilleur pied. Ouais, alors ce qui était intéressant sur cette action, vous savez, c'est que si elle va au bout, c'est bien. Sauf qu'on a vu au départ de l'action, c'est cette équipe qui était coupée en deux de la part de l'Algérie. S'ils perdent le ballon, par contre, c'est là où ils sont en difficulté. Essayer d'avoir cet équilibre d'équipe, d'attaquer ensemble et de défendre ensemble. Même si des fois ça va vite et il faut faire avec. Ben Taleb, bonne intervention de Msakni. Ça fait deux fois qu'il perd le ballon, Ben Taleb là. Trop de facilité effectivement du côté du milieu terrain de Schalke 04. Maloul. Sassi. Ben Hamor. Grosse activité à la part de Wahbi Kazri qui n'hésite pas à dézoner. Ouais. Pour revenir déséquilibrer la défense algérienne, voilà qui est fait avec Naguez en une touche vers Akaïchi qui ne peut pas couper la trajectoire de ce ballon.
Énorme situation une nouvelle fois en faveur des Aigles de Carthage. Oui, mais favorisé par un petit peu l'attentisme des Algériens. On l'a vu avec Benhamor tranquillement qui pénètre, qui progresse dans ce milieu de terrain algérien sans pression. C'est assez étrange et dangereux surtout. On revoit ce bon sens de Naguez, hein. Très fort, puissant pour Akashi, c'est pas évident à cette hauteur-là. Il a manqué aussi d'une présence, peut-être même Sakni au deuxième poteau. La femme de corps de Slimani, ballon perdu, récupéré par Naïm Sliti. Et nouveau déplacement d'Akashi. La lutte avec Ben Sebaini va être sanctionné. Et c'est Rami Ben Sebaini qui l'est. Coup franc en faveur des Tunisiens. Ce sont eux, hein, désormais, qui sont en train de faire le jeu. Ouais, ils sont bien, ils arrivent à récupérer les ballons un petit peu plus haut, moins en difficulté. Pour se projeter plus rapidement, il y a moins de distance à parcourir. Là, on a vu ce duel entre Ben Sebaini et Akashi. Il y avait plus touche que faute. Il y avait un duel licite entre les deux hommes. Et nouveau danger sur les buts de Malek Asla. Avec le pied droit de Wabi Kazri. Montée d'Aymen Abdelou en montée. Également de Ben Youssef Kazri, s'est bien frappé. La sortie d'Asla, il a été gêné. Hors-jeu. De toute façon, il y avait une position de hors-jeu signalée par l'assistant. Alors pour la petite histoire, parce qu'il faut quand même la raconter, on a parlé de la présence dans notre avion, Brahim, de l'arbitre Monsieur Bernard Camille, l'arbitre des Seychelles. Pour la petite histoire, Malek Asla joue avec des chaussures qu'on lui a ramenées. Oui. Également du côté de Franceville. Exactement. C'est pas celle que j'avais quand je jouais, sinon il pourrait pas jouer avec. Comme chose du 47. Petit problème du côté de l'hôtel, de la résidence, où est l'Algérie pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Exactement. Il n'avait plus de chaussures, Malek Asla. Commande un déchargé. Sport, non seulement on commande les matchs, mais on fait aussi office de livreur. On lui a livré entre Libreville et Franceville, c'est ça. Ses chaussures, on a pu se apercevoir, c'était du 47,5. S'il met un ballon touche, c'est de votre faute. C'est la petite anecdote. Ça si, ouais, c'est Akashi. C'est mieux, hein, côté Sakni. Revoici M. Sakni. Et quand on commence à avoir davantage, forcément, il y a du danger. Ils ont du mal à défendre les Algériens. Retour de position de hors-jeu pour Ali Maloul. Ce que demande Slimani de jouer sur lui, de monter un petit peu plus tous ensemble, surtout avec Guedjura, Bentaleb qui doivent accompagner ses offensives et les quatre derrière aussi qui doivent suivre le mouvement. On a vu l'attitude rageuse de la part de Georges Likens. Ouais. Je demande à ses joueurs d'en faire plus, d'être davantage dans le combat. Parce que là, les duels, ils sont de nouveau en train de les perdre, les Fennec. Parce qu'il connaît son équipe aussi, même si il laisse, comme nous l'expliquait David Guélis en avant-match, le soin à ses adjoints de mener les séances, de les animer. Lui, il est plus un peu dans un rôle de manager, mais il connaît par cœur et les forces et les faiblesses de son équipe. Et avant toute chose, malgré les individualités que Xavier de part et d'autre, c'est le collectif aussi qui fera la différence sur une compétition comme la CAN. Quel travail de faire Janis Assi, qui a été touché par Yacine Brahimi. Il est venu s'excuser aussitôt, le milieu de terrain du FC Porto. Mahrez lui cherchait le petit pont. Et Benhamor a parfaitement refermé les jambes. Qui avait oublié Mefta, qui avait fait l'appel sur le côté. Naïm Sliti. Très bon, Naïm Sliti face à... Face au Sénégal, attention à cette faute de Mohamed Mefta. On prend carton jaune. Youssef M. Sakni. Déjà sorti un carton jaune à Adlem Guedjura, Monsieur Camille. Attention de ne pas avoir déjà deux joueurs à vocation défensive avertis. Après 28 minutes, moins d'une demi-heure de jeu, il va le prendre. Bien sûr. Il va le prendre son carton jaune, Mohamed Mefta. Vu celui qu'il a mis à Guedjura tout à l'heure pour pas grand-chose, cette balayette. Forcément synonyme de carton jaune.
de victoires lors de leurs 10 dernières rencontres disputées en Coupe d'Afrique des Nations. C'est le bilan pour l'Algérie. Parliez de la connaissance de Georges Leekens des forces et faiblesses de son équipe. Il y a de la connaissance aussi du côté de l'adversaire. On l'a dit, lui, l'ancien sélectionneur des Aigles de Carthage. Et on se souvient de cette énorme désillusion en 2015. Ça y est, ils sont en train de mettre de l'intensité, davantage des Algériens. Attention à Kachi qui peut récupérer. Il a vu le déplacement de Msakni. C'est beaucoup trop tard. Ce ballon, il était largement en position de hors-jeu. Ouais, mais c'est pas le jeu. Il y a un manque de spontanéité, certain. Ouais, exactement. C'est pas le jeu là pour Akashi. Il est dans le sens du but, de temporiser, d'attendre un autre appel de la part de Msakni qui arrive de derrière. Au préalable, une belle combativité. Voilà, on le voit là. Il faut aller provoquer en un contre un Ben Sebaini plutôt que d'attendre le départ de Msakni qui en plus est en position d'hors-jeu. Allez, il faut prendre des risques en 1 contre 1 lorsqu'on est l'attaquant de l'équipe de Tunisie. Il avait eu des bonnes occasions, on avait vu aussi Kenissi qui avait eu pas mal d'opportunités. Il n'y en aura pas tant que ça peut-être pour l'attaquant tunisien, il va falloir être très très altruiste et efficace. Il a eu 3 très très belles situations. Ahmed Akashi dans 1 à 0 à 0, hein, très belle frappe, 3 ouais. Minutes de jeu. Slimani. Abdelour et Ben Youssef, cette fois-ci le dernier mot pour le défenseur du Stade Malherbe de Caen avec le bel effort fourni par Slimani, accroché dans un second temps, couvrant en faveur des Fenech. Et ça, c'est un effort intéressant, quelque chose qu'il faudrait suivre du côté des Algériens. Parce qu'au départ, Ben Youssef est en possession de la balle. Il ne faut pas prendre de risque là, quand on a un défenseur, s'il faut mettre le ballon en touche, et bien on le met en touche, on risque de ne pas le perdre. Et surtout de commettre juste derrière la faute pour récupérer le ballon et puis d'offrir une belle situation aux Algériens. Il est en train d'essayer d'insuffler le rythme et l'envie à ses coéquipiers Islam Slimani avec ce genre de récupération. Et toujours le pied gauche de Riyad Mahrez. Ce sera frappé rentrant, c'est bien tiré, boxé des deux points par Matlouti. Il y va au duel Wabi Kazri avec Adel Guedioura. C'est bien, ça ralentit la progression hein, et le pressing. Voilà. Et derrière on récupère le ballon. C'est pas anodin tout ça, c'est un travail collectif. De gêner toujours la première relance, même si on n'a pas le ballon. Allez, Ben Taleb qui vient perdre une nouvelle fois ce ballon dans le cœur du jeu algérien. Ben Taleb n'est pas dans son match, il a du mal. Msakni un petit peu aussi. Oh, Ghezal, super pour éliminer Msakni. Rachid Ghezal qui accélère face au retour de Benabor. Il ne l'attendait plus ce ballon, Riyad Mahrez. À commettre la faute sur Aymen Abdennour, oui. Il n'est pas dans une position aussi extrêmement à son avantage. Hein. Rachid Ghezal, un petit périmètre arrêté. On sait qu'il aime lui la percussion. Le dribble, il a un très très bon pied gauche. En plus, il est sur son pied droit. Il n'a pas le côté naturel pour centrer ce ballon. C'est un petit peu la même chose pour Nabil Ben Taleb hein, qui en sait ces dernières semaines évoluer avec la sélection dans un rôle un peu plus haut en soutien de l'attaquant. C'est le cas également lorsqu'il évolue du côté de Schalke 04 en Bundesliga. Ouais. Pas facile pour lui de revenir dans un rôle de relayeur aux côtés d'Adel Guedioura. Il a besoin de retrouver ses marques à ce poste-là. C'est ça. Ça explique sans doute les pertes de balles hein, un petit peu faciles de la part du numéro 10 algérien. Cette fois-ci, c'est Rachid Ghezal qui est venu rendre ce ballon à Nagez. Sliti. Bien fait Naïm Sliti pour retrouver son latéral à Nagez. Le bon retour de Yassine Brahimi qui va en plus récupérer la remise en jeu. Faute de Ben Youssef sur Slimani. En plaisanté hein, de Naïm Sliti. Avant ce match, avec la superbe déclaration du milieu de terrain du LOSC, qui est marié à une femme algérienne. Ouh, la remise de la tête manquée de Maloul. Il n'a pas vu Aymen Matlouti venir à sa rencontre. Corner en faveur des Fenech. Ouais. Je ne sais pas qui a manqué de communiquer à l'autre sur ce coup-là. En tout cas, c'était risqué pour Matlouti de sortir s'il n'avait rien dit à Maloul. Pour terminer l'anecdote sur Naïm Sliti, un journaliste algérien hier a dit lors de la conférence de presse d'avant-match, on vous a donné la femme, donnez-nous le match. En faisant bien sûr référence à ce match d'aujourd'hui. Je crois pas qu'il soit d'accord. Ils en ont autant besoin qu'eux, c'est ça. Bonne victoire, effectivement. Les Tunisiens, le pied droit de Yassine Brahimi pour se charger de ce corner à un quart d'heure du terme de cette première période. Et ça file une nouvelle fois dans les bras d'Aymen Matlouti, attention. Parce qu'il me semble que Rami Ben Saibani se
se tire la cuisse, en train de faire l'effort pour se replacer. Le défenseur du Stade Rennais. J'espère pour lui que ça n'est pas un tiré hein, sur cette déviation qu'il convoitait au premier poteau. Je pense qu'il a pris un coup de crampon de la part de Ben Youssef au premier poteau. Enfin, ça semble être un plus, ça, effectivement. Ouais. Il est venu se toucher les genoux, Rami Ben Sebaini. Attention, tu dis bien sur le coup de pied arrêté au premier poteau. Là, ça fait deux fois qu'il dévie le ballon. Kazri. Sakni. Sakni, il faut qu'il prenne le jeu à son compte lui aussi. Pour l'instant, c'est le plus discret des joueurs offensifs tunisiens. Ça avait été un des meilleurs lors du dernier match, notamment cette belle deuxième mi-temps. Là, on sent que c'est difficile hein, pour lui de combiner avec Akaishi. Manque d'automatisme certain là aussi. Mais lui aussi, il a besoin d'espace un petit peu, de partir d'un peu plus loin, de percuter et dribbler. Alors, c'est l'outil qui est touché, semble-t-il. Il semble se plaindre au niveau du mollet, Imen Matlouti. On serait quand même à faire beaucoup hein, pour les gardiens dans cette compétition. Ça a tiré, je pense. C'est ce qu'il est en train de dire. Alors ça a permis de voir le monument entrer en jeu Issam El Haddari du côté égyptien. Imen Matlouti n'est pas en reste hein, au niveau de l'expérience. 32 ans, 63e sélection aujourd'hui avec les Aigles de Carthage. Reste au sol pour l'instant Imen Matlouti. C'était le cas aussi de Rami Ben Sebaini qui s'est relevé. Et on en profite bien sûr pour s'hydrater. On a besoin, il fait chaud. Encore ici aujourd'hui à Franceville. Un petit peu moins de 30 degrés, pas mal d'humidité. Vous entendez hein, les joueurs, beaucoup de joueurs se plaindre un petit peu de la chaleur et dire que c'était difficile tout de même d'entrer dans la compétition, de s'habituer au niveau de leur organisme surtout. Ouais, c'est pas simple. Enfin, on a quand même moins froid qu'en France. Ça, c'est certain. On salue d'ailleurs tous les Français oui, avec cette vague de froid qui frappe la France entière. Exactement. Sachez qu'on vous ramène, lorsqu'on rentrera, on vous ramènera de la chaleur. Ne vous inquiétez pas. On essaiera de vous ramener de la chaleur, effectivement. Qui a l'air d'avoir dit à son staff que c'était bon, on a vu le pouce levé. Ouais. Alors, peut-être il a senti un petit point de contracture, ce qui peut arriver sur les terrains qui sont un petit peu aussi difficiles, qu'il n'y a pas d'inquiétude plus que ça. Il va faire attention, il va essayer de se jauger, et juger l'état de son mollet, peut-être en évitant certaines sorties à risque et certains dégagements. On est entré dans les 10 dernières minutes ici dans ce stade de Franceville. Occasion de ce derby du Maghreb entre l'Algérie et la Tunisie, pour l'instant toujours 0-0. Et les Tunisiens qui sont un petit peu plus entreprenants. Même si là il y a une position de hors-jeu pour Naïm Sliti. On avait une bonne entame hein, de la part des Fenech et ça s'est par la suite assez rapidement rééquilibré. Tunisie championne d'Afrique en 2004. Depuis, il n'a jamais fait mieux qu'un quart de finale. Ils sont trop bas. Ils sont en fait. C'est le Ben Amor qui est seul. Kazri, c'est trop profond pour Akaishi, même s'il est généreux, on le sait, dans ses déplacements et dans ses courses. Ah, mission mal ajustée. Il faut absolument que les Algériens, que ce soit plus, à mon avis, Ben Taleb, aient accompagné Rachid Ghezal un peu plus haut. Pour prendre Essassi et Ben Amor qui sont tous les deux seuls. Et en fait, il y a le pressing, on a vu de Slimani. Sauf que Ben Taleb et Guedjura sont positionnés autour de Kazri. Ils sont 2-1. Et au-dessus, Ghezal, il est 2-1. Et force de constater que les Tunisiens arrivent à sortir par moments ce ballon dans les intervalles. Voilà, là, Ben Taleb, on le voit. Il est positionné aux côtés de Guedjura. Il faudrait qu'il hésite. Voilà, qu'il monte. On voit Ghezal qui fait le pressing tout seul. Et en fait, il fait un petit taureau avec Sassi et Ben Amor et que finalement... Ils s'en défendent très très facilement ce pressing, les Tunisiens. Sakt, on continue de combiner avec Kazri pour Akaishi. Les deux Guedjura pour en mettre au sol vers Slimani face à Imen Abdennour. Il a été accroché Slimani, mais il a su résister. Slimani qui poursuit avec Riyad Mahrez. Le superbe retour de Ben Youssef. Il a pu récupérer dans un second temps Riyad Mahrez. Slimani en une touche pour Adem Guedjura.
gros travail d'Islam Simani au milieu de trois joueurs avec Abdennour sur le dos au marquage. Quelle volonté, capacité de combattre et de vouloir garder cette agressivité offensive pour garder la possession et le monopole de ce ballon, pas le donner à l'adversaire. On n'est pas sorti, c'est remisé par Mefta, Mahrez au sol, remise en jeu une nouvelle fois en faveur des Fenech. C'est entré dans les 5 dernières minutes de cette première période. Ballon dégagé par Ayman Abdennour. La prise de balle manquée. Coup de sifflet de Monsieur Camille en faveur des Aigles de Carthage. Aperçoit Henri Kasperzak qui avait annoncé avant le début de cette phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations que la qualif se jouerait lors de l'ultime journée. C'est que la Tunisie affrontera le Zimbabwe lors de cette dernière journée, alors que l'Algérie de son côté aura un fort affaire face au Sénégal. Sénégal qui n'a pas été souverain, impérial lors de ce premier match, mais qui a été appliqué. S'est imposé 2-0 malgré les nombreuses situations tunisiennes. Sénégal qu'on retrouvera à 20h ce soir, bien sûr, face au Zimbabwe. Donc pour l'instant, c'est bien ce derby maghrébin entre l'Algérie et la Tunisie qui nous concerne et qui nous plaît pour l'instant, même s'il n'y a pas de but. Toujours ce score de 0-0 en moins de 4 minutes de la fin de cette première période. Sassi, Maloul avec Abdennour. On sort tranquillement jusqu'à Ahmed Matlouti. C'est dommage de ne pas mettre ce ballon devant. Il y a du monde. Plutôt que de reculer, de permettre aux Algériens d'avancer le bloc, de faire le pressing pour finir à jouer long. Et à trouver Agachi en position de hors-jeu également. Le déplacement cette fois-ci n'était pas bon. Oh, attention, la mauvaise relance d'Assela pour Faouzi Ghoulam. Remise en jeu récupérée par les Tunisiens. Faisait référence à ce quart de finale en 2015 de la Tunisie, où battu après prolongation par la Guinée équatoriale, sous l'air à l'époque Georges Likens. Et toujours en travers de la gorge. Ce revers pour les Tunisiens, Wabi Kazri le rappelait, et une motivation particulière pour venir l'effacer. C'est qu'ils avaient été battus sur un pénalty qui était imaginaire, selon les mots de l'ancien Bordelais, qui avait été très généreux pour la Guinée équatoriale. Ouais. Moi, je l'ai vu, je peux dire que c'était vraiment imaginaire. Alors, pour être gentil, ouais. La magie. Même David Copperfield n'aurait pas pu le faire. Brahimi. Ghezal devant lui, difficile de le trouver, il y est parvenu. Tout de même, Yassine Brahimi. Slimani, c'était difficile de contrôler. Manquer sa prise le bal. Islam Slimani, long dégagement de Matlouti. Ouais, c'est bien, Bentaleb voilà, est un peu plus haut, marquage, a gagné son duel. Même s'ils ont perdu le deuxième ballon. Après, ce serait aussi intéressant pour les Algériens de permuter un petit peu entre Ghezal, Brahimi et Riyad Mahrez, qui sont en position depuis pas mal de temps. Kazri, Tevera Kaichi, il y avait Naguez aussi qui était monté apporter une solution. Ils parviennent plus du tout à conserver le ballon, les Algériens, qui le rendent bien trop facilement aux Tunisiens. Kaichi en jeu de nouveau. C'est là où on va devoir se montrer un petit peu plus rigoureux en deuxième période sur ses déplacements, notamment à Kaichi. Ça fait beaucoup hein, quand même de positions de hors-jeu. Et pourtant, ils ont d'excellents coups à jouer, les joueurs d'Henri Kasperzak. Il y a juste le bon tempo à trouver entre le passeur et la synchronisation avec le départ de Kaichi qui prend bien les espaces, parfois trop vite. Et Dura. Une fois Slimani. Et la lutte avec Abdennour. Il va obtenir un coup franc. Islam Slimani, c'était loin d'être évident sur ce coup-là. Il y avait un bel accrochage des deux. Hein. Et il y aura 2 minutes de temps additionnel dans cette première période. Là, franchement, je sais pas comment il peut donner faute aux Algériens. Alors, soit il y a faute pour personne, parce que les deux s'accrochent le maillot. Le tort d'Abdennour, c'est d'avoir peut-être léché plus tard le maillot, qu'a incité M. Camille à donner ce très très bon coup franc
à 1 à 2 minutes de la fin du temps de cette première mi-temps, de la fin de la première mi-temps. Elle est peut-être là l'opportunité de prendre les devants pour les Fenech. Ouais, après les Tunisiens doivent monter un petit peu plus, pas offrir cet espace devant Matlouti et obliger les Algériens à partir en course et eux défendre un petit peu plus haut parce que vous voyez, ils sont déjà là avec Nagues Ben Youssef très bas et Kaïchi c'est la zone, c'est une zone basse quand même. Hein. Bon, c'est dangereux, il est dangereux ce coup franc en faveur des Fenech. Juste au-dessus de la tête d'Akashi, il y a un espace, si le ballon arrive là et les autres en course, il peut y avoir danger. Gros danger. Ce sera pour le pied gauche de Riyad Mahrez. Le mur qui est sorti avant. C'est Ali Malou qui est sorti très très tôt de ce mur. Monsieur Camille, qu'est-ce qu'il veut, monsieur Camille? Oui, parce qu'il est sorti du mur avant même que le ballon ait quitté le pied de Riyad Mahrez. On a vu Ali Malou et du coup il est sanctionné logiquement par monsieur Camille. Exactement, il est sorti bien avant. Et le coup franc est encore plus dangereux. Est mieux placé. Et là, exactement, j'allais vous dire c'est Brahimi parce que, étant donné le positionnement d'Akashi, s'il arrive à le contourner, gros danger. Et Slimani qui se met volontairement en position de hors-jeu pour l'instant. Brahimi s'est bien frappé. C'était au premier poteau. Ghezal était venu couper la trajectoire, tenter en tout cas de le faire. Et ce sera un corner concédé par Ahmed Akaïchi. Heureusement parce qu'il y a eu du rififi dans la surface de réparation. Et on en restera là. Je pense qu'il y a eu le surface de réparation. Le coup de sifflet de monsieur Camille pour mettre fin à ses 45 premières minutes. On n'est même pas allé jusqu'à ces 2 minutes de temps additionnel, jusqu'à la fin en tout cas. 0-0 à la pause entre l'Algérie et la Tunisie. Oui, un match avec des intentions de part et d'autre. Avec, on l'a vu, les Algériens qui sont capables de partir très vite, de bien combiner. Avec un très bon Islam Simani, toujours prêt à se battre. Il faudra garder l'équilibre et être attentif notamment au repli défensif et des Tunisiens. Qui ont des possibilités, il y a notamment des joueurs qui devront être un petit peu mieux en deuxième mi-temps comme Safdi, comme Sliti qui ont été assez discrets pour le moment, une bonne première mi-temps globalement, mais on attend encore mieux. Et on va voir qui de l'Algérie ou de la Tunisie va être capable de prendre les devants. On espère un petit peu plus de rythme dans ces 45 prochaines minutes. Coup d'envoi de cette deuxième période de ce derby du Maghreb entre l'Algérie et la Tunisie pour l'instant pleinement indécis, toujours 0-0 avec peut-être Brahim Thiam une meilleure impression laissée par les Tunisiens dans l'envie de créer, dans l'envie d'élaborer leurs actions. Une équipe d'Algérie qui a su pointer quelques banderies simplement, qui a fait une bonne entame de match, mais ça a manqué de constance, de continuité dans les offensives algériennes. Oui, complètement les Tunisiens qui ont allez, montrer un petit peu plus de maîtrise sans être vraiment et avoir le monopole de la balle. Ils ont été dangereux, ont moyen de faire certaines choses intéressantes. Les Algériens, eux, ont besoin de cette maîtrise technique et collective qui leur a fait défaut en première mi-temps. Et je pense que c'est vrai que la première équipe qui va pouvoir ouvrir le score, on ne sait pas si ce sera définitif, mais pourrait prendre un ascendant très important. Après, il va falloir rester vigilant. Côté tunisien, on va attendre peut-être plus de Psakni qui n'a pas été très envers, voire existant. Donc voilà, on est attentif. Ouais, Nabil Ben Taleb s'est dépassé face à Wahbi Khazri. Ouais, la bonne anticipation de Fawzi Ghulam. Brahimi, Rachid Ghezal. Le départ de Slimani devant lui. Ouais, la faute. Il y a de l'engagement hein, dans ce duel entre Ayman Abdennour et Islam Slimani. On pouvait s'y attendre. C'est l'attaquant de Leicester qui est sanctionné par monsieur Camille. On voit le travail de Brahimi en relais avec Ghezal qui cherche Slimani. Qui a joué le ballon. On s'interrogeait Brahim à la mi-temps sur le positionnement de Rachid Ghezal.
Oui, on sent qu'il a du mal à se situer dans ce rôle de meneur de jeu en soutien d'Islam Slimani. Ce serait peut-être un petit peu plus naturel pour Yacine Brahimi de l'occuper, ce rôle-là. Et puis tout simplement, on n'a pas l'habitude de voir jouer en tant que numéro 10 pur et dur derrière l'attaquant Rachid Ghezal. Donc on sent qu'il est un peu bridé dans sa façon d'évoluer. Alors il peut se retrouver dans cette partie-là de temps en temps, mais ce serait bien qu'il permute aussi avec Mahrez et Brahimi. Le bel échange entre Msakni et Wahbi Khazri. Msakni qui accélère. Msakni avec Khazri. Tentative de double une de la sortie. Et bonne de la part de Malek Aslar. Dégagement avec la superbe déviation d'Islam Slimani. Mahrez. Biedura avec Ben Taleb. Riyad Mahrez de nouveau. Il faut faire circuler le ballon côté algérien, il faut demander, il faut bouger, voilà, il faut proposer des solutions, même si la Ghezal ne va pas pouvoir aller au bout peut-être. Il fait l'effort pour tenter de récupérer dans un second temps, c'est dégagé par Siam Ben Youssef. Akashi a vu qu'avec Ben Sebaini, duel à remporté par le défenseur central rennais, Guedioura. Mahrez bien pris par Siam Ben Youssef. Pour l'instant, il est bien plus appliqué que face au Sénégal. On le sent beaucoup plus rigoureux. Et juste dans ses interventions. Exactement, pas de risque. Rester concentré, intervenir au bon moment. Pas prendre de risque dans la relance, c'est ce qu'on demande à un défenseur. Sliti avec Msakni, le bon contrôle orienté. Msakni vers Wahbi Khazri derrière. Bon retour de Faouzi Ghoulam. Voilà ce qu'on demande à Msakni, de se mettre dans une bonne position, trouver les bons angles de passe. Là, c'était pour Khazri. Attention à cette possibilité peut-être pour Ferjani Sassi qui était venu s'intercaler. La seule chose qui me dérange chez Msakni aujourd'hui, c'est qu'à chaque paire de balles ou chaque fois qu'on a pris le ballon, il lève les bras au ciel. Il s'agace tout le temps. Et ça, c'est pas un bon signe. C'est en termes de positivité là dans une équipe. Voilà, tout le monde peut louper, il faut aller vraiment travailler ensemble. Voilà, Msakni a parfaitement servi avec le petit couche de sang. Youssef Msakni avec de la réussite certes, mais ça fait partie du jeu. C'est lui qui permet aux Aigles de Carthage de débloquer ce derby du Maghreb. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Peut-être m'a-t-il entendu, Msakni, je ne pense pas, mais en tout cas, c'est un joueur qui a la capacité, même le devoir de faire les différences. Il a trouvé en mouvement cet espace intelligent et intéressant pour aller sur cette touche. On l'a vu avec ce relais que Ferjani Sassi intelligemment, le petit départ, cette petite louche, l'intention de centrer, l'intention a été récompensée pour les Tunisiens et Msakni, et ça va certainement faire plaisir à Del Chedli qui avait aussi fustigé un petit peu la performance en première mi-temps du milieu de terrain de l'Etriwa au Qatar. Ouais, c'est terrible. C'est terrible pour Aïssa Mandi, le capitaine des Fenech, c'est lui qui vient tromper Malek Asla sur ce centre de Youssef Msakni. Mais que dire de la petite louche de Ferjani Sassi, ouais, pour lancer Msakni qui derrière fait la différence avec beaucoup de réussite, c'est vrai, et permet à la Tunisie de mener 1-0. Et Xavier, louche toujours réussi par l'appel. La passe devient belle lorsqu'il y a l'appel qui est fait au bon moment, et c'est toujours le plus important. Après, évidemment, techniquement, il faut s'appliquer. En tout cas, ça va nous donner un match qui va souffrir et qui va réveiller aussi les Algériens qui ne peuvent pas se permettre de perdre ce match avant d'affronter le Sénégal. Oui, parce que ce Sénégal-Algérie qui se dessine lundi prochain ici dans ce stade de Franceville s'annonce bouillantissime. On parlait d'un derby du Maghreb toujours très chaud entre l'Algérie et la Tunisie, c'est le cas entre ces deux voisins. Et le match face au Sénégal serait une finale tout simplement pour l'Algérie. Il reste encore du temps, encore 40 minutes à jouer dans ce match. Pour l'instant, l'Algérie est menée 1-0 par son voisin tunisien. Des confirmations au niveau des chiffres aussi. Hein. Enfin, il m'en parlait, un seul succès pour l'Algérie lors des 5 derniers derbys face à la Tunisie. C'était grâce à Riyad Boubouz qui malheureusement n'est pas au sein de cette sélection algérienne, blessé. Je me réjouis qu'il soit aux côtés de Smaïl, bien sûr, pour avoir toute son analyse, son expertise sur cette sélection qu'il connaît si bien. On aurait aimé aussi, et bien sûr, le voir sur ses pelouses. Wahbi Khazri. Carte
Kasri s'est trop appuyé pour Naguez. Remise en jeu récupérée par les Fenech. Il va falloir vraiment changer d'attitude hein, du côté des joueurs de Georges Likens. Parce que si Islam Slimani a montré beaucoup d'envie, et c'est vrai, a tenté d'emmener dans son sillage ses coéquipiers, ça n'est pas vraiment le cas. Oui, c'est vrai. Et évidemment, après, c'est pas complètement scandaleux de voir la Tunisie mener. Ils avaient été intéressants en premier temps avec plus de jeux. Attention les cartons jaunes. Faute de Naguez sur Yacine Brahimi. Après, ça va être une course contre la montre. On voit cette faute de Naguez sur Brahimi. Il va falloir être vigilant. En tout cas, on se permet aussi de pouvoir communiquer un petit peu avec les internautes, les gens qui nous suivent sur les réseaux sociaux. J'en connais un qui s'appelle Edinéa, qui est déjà content. Centre de Goulam, il est bien mis ce ballon dans la surface. La petite faute de Slimani sur Ahmed Abdennour. Ce sera l'un des duels à suivre, bien sûr, dans cette deuxième période. Ça a été déjà en première mi-temps. Une clé du match. Monsieur Camille qui demande déjà au bout de la 53e minute à Matruti de se dépêcher. Alors qu'on avait vu le bon dégagement d'Abdennour. Même si on ne demande jamais à un défenseur central de relancer dans l'axe, mais ce dégagement était bien effectué. Il y a des possibilités pour Georges Likens, des possibilités, des cartouches offensives. On pense à Bagdad Kouneja, l'attaquant d'Al-Sadd, qui a brillé avec la formation du Qatar. 15 buts marqués en 13 matchs cette saison. On pense également à Sofiane Nani, le capitaine d'Anderlecht. Des joueurs de talent qui peuvent venir faire basculer cette rencontre, venir permettre au Fenech dans un premier temps de revenir. Parce qu'ils sont bel et bien menés à 1-0 et le ballon est toujours dans les pieds tunisiens avec la frappe lointaine tentée par Naïm Sliti. Il avait le temps, malheureusement ça manque de précision. Oui, il a eu le temps, il a eu l'angle, facilité par Bentaleb qui a reculé au lieu d'avancer sur lui. On va voir, il a le temps de frapper. Bentaleb qui court à côté de lui, même s'il a frappé et mal effectué. Et il est quand même dans une zone intéressante. Kasri. Jamie Sassi. Ce qui est terrible pour les Algériens, c'est qu'on sent même une grande maîtrise tunisienne. On voit, ils sont venus au score, les Fenech. Et ce sont les Tunisiens qui continuent de jouer, de faire circuler ce ballon, de le conserver. À l'image de Sassi qui ouvre le jeu à gauche vers Ali Maloul. La couverture de Mefta remise en jeu en faveur des aigles de Carthage avec Youssef Msakni qui est resté au sol. Mais il semble touché. Hein. Touché Msakni. Même Ahmed Matouti qui vient prendre des nouvelles. Il a pris un tampon en retardement lorsqu'il a transmis le ballon. Sakni. Ça c'est une belle image aussi. C'est une belle image avec la prise de parole de Yacine Brahimi. Cette image collective côté algérien. Ils en ont besoin de se montrer soudés, solidaires. Ils vont. En plus, on va avoir une grande utilité. Il me semble avoir lu sur les lèvres de Brahimi et on revoit, pendant qu'on revoit cette image-là, ça corrobore, je pense, ce qu'il a dit. Il a dit on n'a pas le droit de prendre un but comme ça. C'est parce qu'à la base, tout le monde est arrêté statique. Il y a 4 Algériens, voire 5 joueurs, pour juste Msakni qui part devant eux dans leur dos sur cette louche. C'est des petits périmètres où 4-5 joueurs ne peuvent pas être pris à défaut par un seul appel de balle. On a vu le visage de Daïs Amandi. Il est venu tromper son propre gardien de manière complètement involontaire, certes. C'est dur pour le tout nouveau capitaine de cette sélection algérienne, Daïs Amandi. C'est là où on peut revenir aussi hein, sur peut-être un certain manque d'expérience aussi côté algérien. Des joueurs qui sont très très importants aussi bien sur les pelouses que dans le vestiaire. Cette célèbre cohésion de groupe, vous le savez mieux que quiconque, Brahim. On pense bien sûr à Karbejani, on pense à Sofiane Feghouli, même s'il a beaucoup moins de temps de jeu, c'est vrai, cette saison. Mais après, ce sont des joueurs qui ont une grande expérience, qui étaient les deux capitaines hein, jusque-là. Disons que c'est des choix d'entraîneur.
si l'Algérie gagne la CAN, personne s'en offusquera de ne pas les avoir pris. Évidemment, après, en fonction des physionomies des matchs et de petit manque d'expérience, notamment ce côté droit qui fait défaut à ces Algériens depuis pas mal de matchs, on pouvait s'interroger. Zigoulam le centré. Sylvain est accroché par Emel Adenour, il a hésité. Il a mis le sifflet à la bouche, il a fait le mouvement, monsieur Camille. On la grande hésitation de l'arbitre central des Seychelles. Alors là, il y a une valse entre Abdenour et Slimani. Il va falloir le revoir. Ce duel. Ils étaient d'accord sur la danse tous les deux. Hein. Attention à Naguez qui accélère face à Goulam. Il est passé Naguez, il est tombé tout seul, tout simplement. Pas de contact avec le latéral du Napoli. On revoit Naguez qui pousse son ballon. Il n'y a absolument pas faute. Et là c'est ils se tiennent tous les deux. La main gauche au départ, elle n'accroche pas vraiment le maillot d'Abdenour. Hein, mais ça incite Monsieur Camille à se dire bon, vous êtes depuis tout à l'heure en train de vous accrocher maillot tous les deux. Sur ce coup-là, j'ai donné l'avantage à personne. Oui, ça c'est les ans techniques de Youssef M. Sakni qu'on apprécie tant. Ouais, c'est une perte de balle latérale entre Guédiouro et Bentaleb. Le fait d'être sur la même ligne, c'est compliqué. Et Sassi qui aère le jeu très intelligemment vers Ali Maloul. Benamor. Sassi de l'extérieur du pied, c'est super pour Naïm Sidi qui a vu l'appel de Maloul à gauche. Naïm Sidi a également perdu ses appuis. Ça permet au Fenech de récupérer. Non, Aïssa Mandi qui est sanctionné. L'intervention semblait pourtant propre de la part du défenseur du Bétis. Oui, est-ce qu'il a pris le ballon premier? Est-ce qu'il a touché le pied? On revoit Issa Mandi au marquage là sur Sliti. Bref, c'est difficile parce qu'il avait le ballon dans les pieds, Sliti. Il n'y a pas une grosse faute, hein, sincèrement, qui n'allait pas siffler. On ne crée pas du tout scandale. Faire attention quand même aux décisions, monsieur Camille, qui peuvent entraîner des répercussions. Oui, attention aussi à ce coup de pied arrêté. Soit le pied gauche d'Ali Maloul, soit le pied droit de Wahbi Khazri. Toujours cette même présence en surface de Sylvain Benyoussef, d'Aïmen Abdenour, de Naguez aussi, c'est bien travaillé. C'était Verren Sakni, la tête qui va passer largement à côté. Bon, on voit le départ. J'aurais préféré voir un droitier, ça aurait été plus intéressant avec Abdenour qui plongeait dans l'axe. Avec les grandes tailles là, Naguez qui était présent à la surface de réparation. Il va falloir trouver les solutions pour les Algériens. Avec cette ligne de 4, on la voit devant. Ça manque de présence au milieu de terrain. Naguez, il est obligé de décrocher, mais là, il n'y a pas d'espace. Collé contre la ligne, pris au marquage par deux joueurs. Le pauvre. Pas sûr que ce soit dans ce sens-là qu'il soit le plus performant. Il y a un joueur qu'on voit très peu, même si on sait qu'il est capable sur un éclair de faire la différence. C'est Riyad Mahrez, le voisin Riyad Mahrez qui peut s'emmener ce ballon. Il est contré par Ben Amor et la relance d'Aïmen Abdenour. Riyad Mahrez impliqué sur 4 des 5 derniers buts inscrits par l'Algérie en Coupe d'Afrique des Nations. 3 buts et une passe décisive. Bien sûr, il y a eu ce doublé face au Zimbabwe. Au milieu de terrain offensif de Leicester, mais pour l'instant, c'est difficile. Parce que collectivement et défensivement, c'est costaud du côté de la Tunisie. Ça n'avait pas forcément aidé contre le Sénégal, mais là, ils sont impliqués pour l'instant, les aigles de Carthage. Brahimi, c'est superbe la roulette pour éliminer de Yacine Brahimi, accroché par Naïm Sliti, un coup franc bien placé à venir en faveur des Algériens. Ouais. La roulette de Brahimi, très bien effectuée sur Sassi, et derrière Sliti qui est obligé de commettre la faute. On a vu au départ de Brahimi qui filait vers cette surface de réparation tunisienne. Il faut s'appliquer là. Enfin, il est capable de bien les travailler. Hein. Rachid Ghezal avec son pied gauche, c'est coup franc. Avec le nom de Bedislam Slimani qui va se positionner au deuxième poteau. Ghezal s'est bien tiré. C'est Akaishi qui s'impose dans ce duel. Khazri. Pas perdre le ballon, Akaishi. Ouais, bien pressé. Wahbi Khazri par Nabil Bentaleb. Mise en jeu récupéré par les Fenech. Ce ballon
de la part de Faouzi Ghoulam, tête d'Abdennour. Akanji qui se bat toujours face à Ali Bensebaïni. Il fournit énormément d'efforts à Ahmed Akanji. Et Brahimi qui est passé. Brahimi dans ses œuvres accrochées. De nouveau Yacine Brahimi, cette fois-ci par Ferjani Sassi. Ils sont en train de se multiplier ces coups de pied arrêtés aux abords de la surface de réparation de Matlouti. De Brahimi, il a raison, hein, il se relève vite, il perd pas de temps, il sait que son équipe est aussi un petit peu en difficulté et toujours ces joueurs importants pour aller faire la différence en 1 contre 1. Là, il faut s'appliquer, Rachid Ghezal, c'est des billes importantes. On a vu la tension sur les visages des supporters algériens qui sont présents ici dans ce stade de Franceville. Tension aussi dans ce duel entre Nabil Bentaleb et Ferjani Sassi. C'est également le cas du côté de Nagez et Islam Slimani. Ah là ça va, là ça va. On va essayer de calmer un petit peu tout son monde parce que c'est un derby, on l'a dit. Et pour l'instant c'était assez calme. Plus de temps va passer. Et ça commence à monter. Ouais, ça va être l'ami des Tunisiens et l'ennemi des Algériens. S'ils n'arrivent pas à revenir au score, et je peux vous dire que c'est pas la tension qui va baisser. Hein. Notamment ces duels dans la surface de réparation. Et ça dure depuis la première minute de jeu. Et attention Nagez, il avait oublié un peu le marquage de Slimani. Ghezal s'est bien frappé, s'est boxé des deux points par Matlouti. Pas de prise de risque du côté de Msakni qui allonge le plus loin possible. La tête de couleur, elle est manquée. Cette remise de la tête avec Kazri. Kazri qui peut contrôler. Kazri approché. Mohamed Kazri, penalty en faveur des Aigles de Carthage. Et peut-être le carton rouge pour Faouzi Ghoulam. Suite à cette remise de la tête manquée à destination de Malek Asla. Oh, c'est terrible pour les Fenech. Oh, il regarde l'emplacement, le monsieur Camille, l'emplacement de la faute pour déterminer la couleur du carton. Ça peut être terrible pour les Algériens. Ça peut être terrible. Si on s'en réfère à l'endroit de la faute qui n'est pas dans l'axe du but, il peut sortir qu'un carton jaune, monsieur Camille. Il attend. Je ne sais pas ce qu'il attend, voir si le joueur est blessé, mais bon, c'est... Oui, et puis il y a eu de nouvelles directives aussi hein, concernant cette fameuse double peine. Ouais. S'il les applique, il devrait s'en sortir avec un jaune, simplement Faouzi Ghoulam. Ouais. On va voir la décision de monsieur Camille. Alors, pour nous parler du central des Seychelles qui rappelle le latéral du Napoli. Franchement, moi, je dis ça sent pas bon. Ça sent pas bon. Ce sera jaune simplement pour Faouzi Ghoulam. Heureusement, c'est déjà difficile ce penalty. Naïm Sliti qui a à cœur de prendre ses responsabilités, on l'a vu saisir très tôt de ce ballon. Le milieu de terrain du LOSC, 7e sélection aujourd'hui et peut-être un 2e but sous le maillot des Aigles de Carthage. Ouais, l'intelligence de Wahbi Kazri, on l'a vu, hein, son contrôle même s'il n'était pas parfait. Toujours l'importance de ralentir légèrement sa course et de passer devant son défenseur. Et là Faouzi Ghoulam, malgré l'intention de ne pas vouloir commettre l'irréparable, n'a eu d'autre choix que d'accrocher Wahbi Kazri. La concentration d'Aïm Sliti. Avec Ahmed Abdennour qui tourne le dos à Ahmed Abdennour. Naïm Sliti, c'est parti, le contre-pied, le break est fait 2-0 en faveur de la Tunisie face au Fenech. Ouais, coup de tonnerre par rapport à ce deuxième but qui vient assommer les Algériens, mais leur physionomie était quand même dans le sens de ces Tunisiens. Malgré cette erreur de Faouzi Ghoulam, on la revoit. Un geste compliqué hein, avec un ballon haut comme ça où il faut s'arrêter pour mettre au gardien. Avec à mon avis Asla qui était aussi qui était loin. Un dégagement en tribune encore une fois. C'est un geste des fois qui peut sauver une équipe. Et derrière la qualité technique du Lillois, le plat du pied et sécurité. Celui qu'il fallait effectuer pour mettre les Tunisiens sur les bons rails. C'est terrible pour Faouzi Ghoulam, vous l'avez rappelé très justement Brahim, mais à partir du moment, c'est vrai, où Kazri parvient à orienter son ballon, à mettre son corps devant le latéral du Napoli, il ne peut plus toucher, ouais. Même si il ne le touche pas volontairement Faouzi Ghoulam, et il le sait, hein, il n'a à aucun moment contesté. Toujours est-il que la Tunisie mène désormais 2-0 face à son voisin algérien. Après, ils se devaient de s'imposer hein, les Tunisiens. Une défaite aurait été synonyme d'élimination. Et ils le font pour l'instant. Ouais.
je suis pas sûr que ça va ranger un petit peu l'état d'esprit du terrain qui est pas mauvais, mais cette notion de derby va prendre encore plus de l'ampleur avec la frustration des Algériens qui sont pas dans ce match, d'où la prochaine rentrée de Bagdad Bouneja, l'attaquant de algérien. Il n'a pas fait exprès, il n'a pas vu arriver par derrière à faire Ferjani Sassi. Mais j'étais en train de réfléchir, ça y est, dans une action comme ça, poser la question, est-ce qu'il ne faut pas prendre un carton rouge et rester à 0 et jouer à 10 plutôt que de rester à 11 et prendre un deuxième but? Ça, c'est une colle difficile. Il n'y a pas beaucoup de temps pour y réfléchir. Mais ouais, parce qu'il a pénétré quand même très vite dans la surface de réparation. Ouais, il a compris Wahbi Khazri rapidement ce qu'il fallait faire, hein, ce pied. À partir du moment où tu fais le premier contrôle d'une manière diagonale, tu ne peux plus toucher. C'est terrible pour les supporters des Fenech qui sont présents ici. Dans ce stade, on les a vus depuis plus de 24 heures. Le centre de Naguez. Attention, parce qu'ils ne sont pas rassasiés, les Tunisiens, loin de là, avec Ferjani Sassi qui va écarter dans le couloir à gauche vers Ali Maloul. Quel très bon match de Ferjani Sassi. Hein. Il est très très bon aujourd'hui. Il avait été intéressant encore lors du match précédent. Qui est dur, hein, qui vient rendre ce ballon au Tunisien, même si Bentaleb peut le remettre au sol. Ghezal avec Yacine Brahimi. Il va falloir marquer rapidement côté algérien. Donc qui fonctionne avec la bonne ouverture de Brahimi pour Rachid Ghezal. Le contrôle est un petit peu long. Et il y a surtout le très appliqué Emel Abdelnour ce soir. Parce que Bentaleb va sortir. Qui vient intervenir. Et c'est Rachid Ghezal. C'est Ghezal qui va céder sa place à Bagdad Bouneja. On va peut-être terminer à deux attaquants sans aucun doute, hein, du côté des Algériens en 4-4-2 avec l'association Bouneja Slimani. Pas le choix, hein, pour Georges Dickens de faire entrer le buteur d'Al-Sadd. La remise en jeu de Faouzi Goulam, la tête de Ben Youssef. Ok, il y aura faute de main volontaire. Envers cet examen, c'est trop long, trop profond. On va aller chercher Riyad Mahrez. Ce qui est un petit peu inquiétant côté algérien, au-delà du score, hein, de ce score de 2 à 0, c'est de voir ces têtes baissées, ce peu de réaction. Alors oui, ils ont dû prendre un coup derrière la tête, ça c'est certain, avec ce pénalty transformé par Naïm Sliti. Ouais, il reste malgré tout du temps, et dans les attitudes, exactement, ce ne sont pas forcément les bonnes à adopter. Ouais, alors ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, vous rappelez, je vous ai parlé de Msakni qui levait les bras. C'est aussi synonyme de caractère. Alors attention, la preuve, il a montré juste derrière. C'est ce qu'on veut voir de la part de notamment cet homme-là, Riyad Mahrez. Voir les mots et les actes, c'est important. Jouer rapidement, c'est bien fait avec Bouneja contré. Remise en jeu en faveur de Mohamed Mefta. On va entrer dans les 20 dernières minutes de ce match entre l'Algérie et la Tunisie. Les Aigles de Carthage qui mènent 2 à 0. C'est pas terminé, il peut encore se passer beaucoup de choses en 20 minutes. Bagdad Bouneja qui est rentré avec beaucoup d'envie, qui pestait depuis tout à l'heure sur le bord de touche en faisant des signes en direction du banc, qui voulait rentrer. Pied gauche de Mahrez, il est trop long. Il est trop long ce corner de Riyad Mahrez. Même si Ben Sebaini a fait l'effort pour pouvoir récupérer la remise en jeu, elle le sera par les Tunisiens. Assez flagrant de la part des latéraux, hein. On connaît la qualité offensive de Faouzi Goulam. On a parlé aussi de cette petite blessure à la cuisse qu'il a ressenti hier. Il a écourté la dernière séance d'entraînement, Faouzi Goulam. Est-ce qu'il y a toujours une petite douleur? C'est rare de le voir aussi peu entreprenant offensivement. Parce qu'à la base, il n'a pas vraiment de vis-à-vis, hein, sur le côté. Il aurait pu lui poser des problèmes offensivement et obliger les Tunisiens à défendre sur son côté avec Khazri. Mais c'est vrai qu'il a été discret. Sliti qui est parti de Trebanaïm Sliti chercher à s'appuyer sur Wahbi Khazri. Alors...
ballon récupéré par Riyad Mahrez. Regardez le travail de Wahbi Khazri, première relance, premier relanceur, premier à défendre. Ouais, le pressing de Bounedja. Et la bonne relance d'Aymen Matmouti. Avec toute cette sérénité qui incarne parfaitement le gardien tunisien, c'est impressionnant le calme qu'il a pour relancer comme cela. C'est important, c'est vraiment important dans les temps faibles où on subit à 20 minutes du terme, alors que les Tunisiens sont bien positionnés avec ce score de 2-0. Démontrer aussi qu'on sait subir, on sait défendre. Et la sortie de Wahbi Khazri qui aura été intéressant. Il avait été également lors de son entrée en jeu, lors de ce premier match face au Sénégal. L'ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, remplacé par le défenseur Mohamed Ali Yacoubi. Autrement dit, le discours est clair. Du côté de Henri Kasperzak, tenir ce résultat bien sûr. Khazri qui a fait un bon match, qui a été présent, qui a été décisif. Et sorti d'Yassine Brahimi, remplacé par Sofiane Ali. Côté algérien, on parlait du joueur d'Anderlecht, pétri de qualité Sofiane Ali. Il a aussi eu 5 passes décisives avec le club bruxellois cette saison en championnat. Je pense très intéressant Sofiane Ali qui va essayer de faire bouger les choses dans ce dernier quart d'heure, ce gros quart d'heure qu'il reste à jouer dans ce match. Koulam. Il faut mettre le ballon devant, il y a du monde. Et Barret sait bien faire une touche pour Sofiane Ali à l'entrée de la surface. Le petit crochet extérieur de Sofiane Ali, le centre. Il est trop profond, trop long ce centre pour Islam Slimani qui lui avait décidé de piquer au premier poteau. Oui, et puis Bounedja était resté en soutien alors qu'on a vu le geste d'énervement de la part de Brahimi à taper dans la glacière. On imagine qu'il est très très déçu, lui, qui s'est employé aussi, ça n'a pas été simple. En espérant même qu'il ne soit pas fait mal au pied gauche. Alors que Sofiane Ali, lui, va essayer de mettre des ballons dans la boîte. Il va falloir que Bounedja Slimani soit justement à cette retombée. Un manque de solution, hein. Georges Lekens, on le voit, il s'est installé sur son banc. Lui qui était arrivé, on le rappelle, hein, le 27 octobre dernier, à la place de Rajevac. Il avait lui-même succédé à Christian Gourcuff. De nouvelles méthodes, de nouvelles habitudes qu'il faut chercher à prendre assez rapidement. Centre de Goulam, contré par Naguez. Donc il n'est pas sorti, Fawzi Koulam qui en était possédé par Ben Amor, lui aussi qui est en train de faire un très très gros match dans l'entrejeu tunisien. Akachi, il va aller provoquer, défier Ben Sebaïni. Akachi qui peut écarter. C'est trop profond pour Ali Malou. Est-ce qu'il va revenir à la faute, monsieur Camille? Oui, il va revenir au premier accrochage sur Ahmed Akachi avec un coup franc. Ouais. Encore une fois intéressant en faveur des Aigles de Carthage. Camille va revenir à la faute parce que elle a entraîné justement, je pense, dans la continuité, la faute technique de l'attaquant tunisien. On voit le petit croque en jambe de la part de Ben Taleb qui a déséquilibré Akachi. Oudaï Samandi. Il y en a deux, hein, derrière. Ben Sebaïni qui vient l'accrocher aussi. Ouais. Ah ouais, non, c'était Ben Taleb et après Ben Sebaïni. Et quand on voit la qualité du pied gauche d'Ali Maloul, on peut s'attendre à du gros danger sur les buts de Malek Asla. Et également d'Aïm Sliti aux côtés du ballon. Et ça devrait être pour le gaucher. Gros Ali Maloul. Il y a un sacré espace sur le côté gauche de Asla. Le ballon tombe bien et va très fort. Et ce sera bien pour Maloul, c'est travailler, c'est contré. Corner en faveur des Tunisiens. Le ballon qui a traversé le mur sur cette frappe de Maloul avec Guedjura qui s'est tourné, qui a détourné un peu du coude le ballon. Ouais,
ouais, de l'emploi Ali Malou et Naïm Sliti. Malou qui va s'appliquer là aussi, s'est contré un petit peu du bras. Il n'y est pas un Goulam. Et Goulam qui vient rendre ce ballon avec le centre de Malou, pied droit. Cette fois-ci, le ballon récupéré par Akashi qui prend sa chance. C'est contré par Betsebaini. Et la relance encore fois du Goulam qui a failli mettre son équipe en difficulté. Et le changement poste pour poste opéré par Henri Kachberzak. La sortie d'Ahmed Akashi qui aura énormément travaillé. Pas vraiment de bonne situation pour conclure pour Ahmed Akashi. Mais il aura fait preuve encore une fois d'énormément de générosité. L'attaquant de l'Ittihad, remplacé par Kenissi. Ouais, toujours en train de proposer quelque chose. Il court pour lui, il court pour les autres. Il essaie de se mettre dans les bonnes dispositions. Il y laisse du jus forcément sur le plan de la lucidité dans le dernier geste. Mais on ne peut pas lui reprocher les efforts et offensifs et défensifs effectués par Akashi qui va justement aussi lui être substitué par un autre qui aime ses efforts sur le plan offensif avec Kenissi. Très bon ballon vers Bounedjah en déviation. Quelle activité de Ferjani Sassi. Kenissi qui vient presser avec l'aide de Youssef Msakni. Rabi Betsebaini gêne la relance. Bon dégagement de Malek Asla. La tête d'Abdenour. C'est directement rendu dans les pieds de Adil Guedioua. Ali. Bon ballon de Sofiane Ali avec le bon déplacement aussi de Riyad Mahrez qui attend la solution de dédoublement avec Fawzi Goulam. Ouais, Koubi qui est bien couvrir intelligemment. Difficile de ne pas penser que Goulam n'est pas gêné. Hein. Mais on sent... Il y a un manque d'explosivité assez ouais, tout à fait. Même dans ses dégagements, je ne suis pas sûr qu'il ne retienne pas son geste. Alors, remise en jeu de Goulam, Bounedja qui s'est effondré dans la surface. La tête de Youssef Msakni. Kenissi avec Sassi. Voici l'ouverture de Mohamed Afta. C'est ce qu'il voulait faire en première intention. Msakni, c'était le jeu. Effectivement, pour Naïm Sliti. Il avait vu avant Msakni pour son compatriote du milieu de terrain. C'est impossible. C'est impossible, ça. C'est dommage de jeter le ballon comme ça pour les Algériens, de ne pas essayer de mieux l'utiliser. Qui a lancé vers Kenissi, effectivement entre Betsebaini et Mandi. Ballon récupéré par Naïm Sliti. Il va avoir l'apparition d'Ali Malou dans son couloir gauche. Msakni qui progresse. Msakni qui prend sa chance et contré. Ce sera un nouveau corner en faveur des Aigles de Carthage. Il avait beaucoup d'espace et beaucoup de temps pour faire son choix, Youssef Msakni. Il a eu deux possibilités, la frappe ou décaler ce ballon sur le très bon travail de Sliti en relais avec Msakni. Il a essayé de se servir de l'appel de Kenissi aussi. Elle partait bien, elle a été contrée, elle peut tromper aussi à cela. On le voit, si le ballon va dans les buts, là, il est battu, le gardien algérien. On va continuer de jouer ce corner à deux. Sliti bien frappé, la tête de Slimani avec l'enchaînement en demi-volée de Ben Youssef. Contrée, remise en jeu conservée. On est loin au marquage, hein. Très loin au marquage. 10 minutes, c'est le temps qu'il reste pour se relever. Côté algérien. La dernière confrontation entre l'Algérie et la Tunisie, c'était lors de cette Coupe d'Afrique des Nations en 2013. L'Afrique du Sud en phase de groupe, la Tunisie s'était imposée 1-0 grâce à un but de Msakni. Il n'aura pas marqué aujourd'hui, mais il aura été décisif sur son centre, contré involontairement par le malheureux Aïssa Mandi. On a aperçu le visage et le regard noir de Yassine Brahimi aux côtés de Rachid Ghezal. Slimani qui dit à l'arbitre j'ai touché le ballon, alors que on a vu sur l'image, elle est claire, nette et précise, le coude en avant
sur Aliko Yacoubi. Ouais, c'est le geste qu'il fait. C'était celui-là. Voilà, exactement. Sois content de ne pas avoir de carton jaune déjà. Parce que ça en méritait. Bon, dégagement de Matlouti. Il aura été décisif quand il le fallait à Aimer Matlouti. C'est ça aussi, hein, quand on a la chance d'avoir dans son effectif un des meilleurs gardiens africains. Avec la grande expérience qu'on lui connaît, qui plus est. Un des taux du Sahel. Super remise en extension de Kenissi. Même si c'était imprécis. Ben Youssef s'impose face à Bounedja sans faute. Sassi bougé également par Ben Taleb. Il est là pour récupérer Ferjani Sassi. Dans un second temps, il espère obtenir une faute de Slimani. Ça ne sera pas le cas. Et attention, Riyad Mahrez. Mahrez, Benlax, la fin de frappe de Mahrez. Avec Ali pour Slimani. Oh, c'est le petit filet extérieur. Et ce sera un corner en faveur des Fenech. Mais quel superbe ballon de Sofiane Ali. En deux touches sur un pas qui parvient à décaler Slimani. Ouais, c'est allé très vite l'exécution, le relais Mahrez, Ali Slimani. Elle vient travailler et c'est capté. C'est par Aymen Matlouti. Ouais, très belle sortie de Matlouti qui doit quand même avoir mal à son mollet, on le voit grimacer, il va même dégager en touche. Là, je pense qu'il va devoir sortir. Ouais, c'est bien sûr encore ce mollet, on voit la frappe de Slimani. Parce que là, il contré, a... dévié qui termine dans le petit filet extérieur. La belle image entre Islam Slimani et Sofiane Ali. D'amener du mouvement, amener de la justesse technique aussi. Alors Aymen Matlouti, lui, est toujours au sol et demande le changement, le signe même effectué par Bagdad Bounedja, qui demande le changement rapide, bien sûr. Par les étoiles du Sahel, Bagdad Bounedja a joué à l'étoile du Sahel. Oui, entre 2013 et 2015, ouais. Il avait inscrit 26 buts d'ailleurs. Voilà. Il fait le bonheur de Hassan de continuer à mettre beaucoup de buts. 15 buts en 13 matchs, ouais. C'est pas mal pour ouais. Bagdad Bounedja. Et le changement qui va avoir lieu, on est en train de se préparer. Du côté de Rami Jridi, gardien du club sfaxien, il devrait donc entrer, hein, selon toute vraisemblance, à la place d'Aymen Matlouti blessé. Voici Rami Jridi en train de s'échauffer. Il va donc entrer dans quelques instants à la place d'Aymen Matlouti. Il s'est relevé, il semble se diriger vers ses buts. Alors on a demandé le changement, mais est-ce qu'il va rester sur la pelouse? Aymen Matlouti. Il a demandé le changement. Il a fait le geste du changement, on revoit l'action. Le bon relais avec Sofiane Ali en deux touches. Et le centre en retrait, c'était l'intention de Slimani. Ça, si, la longue ouverture vers Kenissi et la lutte avec Ben Sebaini. Légèrement retenu, Rami Ben Sebaini. Il y a de la frustration, hein, forcément, et on peut le comprendre au sein des Fenech. Même s'ils n'auront pas fait forcément ce qu'il fallait aussi. Ils sont tombés sur un Matlouti inspiré en première période, à hauteur de deux arrêts décisifs. Exactement. Mais une très belle équipe de Tunisie qui pour le moment mérite un peu moins sa victoire. Encore, ça manque de précision. On savait avant le match, l'équipe de la Tunisie, collectivement, nous donnait plus de garanties que les Algériens qui peut-être intrinsèquement auront aussi des joueurs de très très haut niveau. Et ils sont en train de démontrer les Tunisiens dans la continuité de leur deuxième mi-temps face au Sénégal, qui mérite cette victoire. Cohérent dans ce match, bien défensivement, autour d'une paire Abdennour Ben Youssef qu'on attendait, qui est très costaud et attentif ce soir. Et des joueurs qui sont
dans leur rôle. On pense à Ferjani Sassi qui fait un bon match, très bon match de Ben Amor. Sakni qui a fait la différence sur ce but. Voilà, c'est une équipe de Tunisie qu'on aime voir comme ça parce qu'elle a la qualité pour le faire. Et la sortie d'Amel Matlouti blessé, remplacé par Rami Jeridi, le gardien du club sfaxien qui fait donc son apparition pour les dernières minutes de ce match. Il y aura pas mal de temps additionnel compte tenu de la blessure de l'expérimenté Ahmed Matlouti qui aura su être décisif quand il le fallait. Matlouti qui aussi permet à Jeridi de prendre ses marques lors de ces 5 dernières minutes sûrement et de préparer le match suivant. Alors on a vu une équipe de Tunisie très cohérente hein, dans ce qu'elle aura fait dans ce match. Ouais. La possession de balle est intéressante. Il domine d'ailleurs ce match avec 55% de possession. C'est ce que nous on a senti. Hein. La Guèze qui ne s'imposera pas face à Bounedjah Sofiane Ali. Retour de Ben Amor sanctionné. Ben Amor pour cet accrochage sur Sofiane Ali. En faveur des Fenech. Kenissi qui demande à Mahrez de reculer un petit peu son ballon. Il a gagné quelques centimètres effectivement le milieu terrain offensif de Leicester. Mahrez, la déviation d'Aïssa Mandi. Et ballon qui n'a pas été touché en tout cas pour Monsieur Camille. Sortie de but en faveur de Jeridi. Pas d'accord du tout avec Aïssa Mandi. On va tâcher de vous dire ça tout de suite. S'il a raison sur le coup de franc de Mahrez sur ce ballon. Oh, il a raison. Bien sûr, il a complètement raison. Il ne touche pas du tout le ballon à Aïssa Mandi. C'est Yacoubi seulement qui vient dévier. Effectivement, il aurait dû y avoir un corner en faveur des Fenech. Taleb. Mise en jeu pour Ali Yacoubi. Ce sera une véritable finale pour l'Algérie face au Sénégal. On va attendre bien sûr de voir le résultat de ce Sénégal-Zimbabwe qui aura lieu un petit peu plus tard. On envoie à 20h ici dans ce stade de Franceville. Entre temps, vous retrouverez l'excellence Maïl Boabdella avec toute son équipe. C'est une nouvelle fois une très fine équipe. Aujourd'hui, autour de Smaïl avec Bruno Rouchirou, Patrice Ferry, Chedli et Riyad Boumbouz qui doit forcément être très déçu. Smaïl qui a quand même un Mamadounia environ pour la rencontre entre Sénégal et Zimbabwe qui se déroulera un petit peu plus tard. Il reste encore du temps dans ce match avec le temps additionnel notamment hors-jeu. Hors-jeu signalé à l'encontre d'Ali Maloul. Il y aura 5 minutes. 5 minutes de temps additionnel. Il reste du temps, pourquoi pas. On voit les Fenech revenir à hauteur, ils en sont capables. Bagdad Bounedjah tente de prendre sa chance. Bounedjah le crochet face à Abdelour, il s'est retourné. Abdelour qui relance mal ce ballon dans les pieds de Mahrez. Et le contrôle n'est pas bon de la part de Riyad Mahrez. La bonne relance au contraire de Maloul pour Msakni. Mais ce sont ces petites imprécisions qui auront coûté cher à l'Algérie ce soir. Goulam, Mefta, Guédura. Face à deux Tunisiens, Adel Guédura, c'est superbe, il a fait la différence. Mahrez pour retrouver Adel Guédura, le centre en retrait. Avec Sofiane Ali. Oh, il a ajusté Sofiane Ali. Et il vient complètement relancer les Fenech. Dans ce temps additionnel, il restera encore 5 minutes, quasiment à jouer. Sofiane Ali, le milieu terrain d'Anderlecht, qui permet à tout le peuple vert d'y croire encore. Ouais, très très belle entrée de la part de Sofiane Ali. Encore ce bon travail, on l'a vu sur le côté droit. Et ce plat du pied, brosser cette frappe intelligente de la part de Sofiane Ali pour venir donner un espoir au Fenech en cette fin de match face aux Tunisiens qui pour le moment gardent cette victoire dans la poche. Et ça nous laisse présager d'une fin de match complètement folle. Bon, elles vont être complètement folles effectivement ces 4 dernières minutes dans ce temps additionnel.
avec la présence de Bagdad Bouledja aux côtés de Slimani. On cherchait à jouer long, il y a de la hauteur. Il va falloir en mettre de la présence dans cette surface côté algérien. Est-ce qu'ils vont être capables de nous refaire le même coup que face au Zimbabwe? Là, il n'y a pas 36 alternatives pour les Algériens à la récupération de la balle. Et faute. Faute d'Adel Guedioura, le pied en avant sur Ferjani Sassi. Et l'entrée à venir de Mehdi Abeid, le Dijonais, qui entre à la place d'Adel Guedioura. On va tout tenter du côté de George Dickens. Mais l'espoir est revenu pour les Fenech. Sassi avec Msakdi, la talonnade pour Kenissi, en jeu. En jeu pour Yacine Kenissi, l'attaquant de l'Espérance Tunis. Goulam. On allonge bien sûr du côté de Faouzi Goulam, la déviation de la tête, incompréhension. Il va y avoir le feu dans la défense tunisienne dans ces dernières secondes. Sliti qui fait l'effort, la bonne intervention de Ben Sebaini qui allonge vers Slimani, la tête d'Aïmed Abdelour avec Sofiane Ali qui peut écarter la frappe lointaine contrée, ça revient dans les pieds de Riyad Mahrez. Et Mahrez est rentré dans la surface, les passements de jambes de Riyad Mahrez, repris. Riyad Mahrez qui fait l'effort, repris dans un second temps aussi par Ben Amor. Remise en jeu en faveur des Tunisiens. C'est dommage pour les Algériens. Mahrez qui avait la possibilité de la mettre en une touche. Les Tunisiens vont falloir dégager très très loin ce ballon. S'accrocher, travailler sur tous les ballons. On a rajouté une minute du côté du quatrième arbitre. On est à 5 minutes au total. Il va y avoir quelques secondes en plus sans aucun doute. Tout le monde est debout sur le banc des Fenech. Tiens pris en place à l'image de Majid Bouguera. Bien sûr dans ce staff du comme Yazid Mansouri pour entourer George Dickens. Il y a Merlou qui s'était mis au sol, il avait des crampes, il s'est relevé tout de suite. Il faut tenir, hein, autant l'envoyer devant, mais faire pas un changement, mais des arrêts de jeu en plus, ça mettra encore plus de pression sur cette fin de match. Ils prennent tout leur temps bien sûr les Tunisiens avec la remise en jeu d'Abdi Nagez. Sakni. Sa qualité technique qui peut conserver ce ballon dans cette zone là, ce ne sera pas le cas. Dégagement de Ben Sebaini, un petit peu en catastrophe. Ce ballon qui va sortir des limites du jeu. Et long dégagement de Malek Aslar vers Slimani. Ouais, deuxième ballon était Valéry Yacoubi. Nagez, bien joué. Pas de risque de la part de Nagez, il a raison. Il a fait un bon match, Nagez, sur son côté droit, hein, très présent. Et il reste 20 secondes dans le temps additionnel. On tient plus en place du côté des deux bancs. La longue remise en jeu de Faouzi Goulam. Tête de Dali Yacoubi. Ah, là, ça peut faire mal. Là, ça peut faire mal avec Msakdi. Msakdi qui lance, qui est ici en jeu. Ah, il aurait peut-être dû y aller tout seul. Chercher en tout cas, y aller tout seul, Youssef Msakdi. Et on en restera là. La joie de tous les Tunisiens. La Tunisie qui s'impose de but 1 dans ce derby du Maghreb face à l'Algérie. La Tunisie se relance complètement dans ce groupe B en faisant tomber son voisin sur le score de 2-1. Ouais, effectivement, la Tunisie se relance à l'issue d'un match qu'elle a mérité globalement de gagner parce qu'elle a fait preuve d'envie, de qualité, de détermination, de rigueur. C'est ce qu'il fallait pour faire une performance de la part des hommes de Casper Zack face à une équipe de l'Algérie qui nous a encore déçus, qui pour le moment est en dedans complètement. Et enfin, vraiment, vraiment, s'ils veulent se qualifier, sortir un gros, gros match, quel que soit le contenu maintenant, parce que seuls les points comptent pour les hommes de Likens. Ouais, un nouveau réveil trop tardif pour les Fenech, malheureusement, qui s'incline sur le score de 2-1 ici au stade de Franceville. Courte page de publicité, puis on revient aux côtés de Smaïn Bouadela et de toute son équipe sur ce match. Et puis on va également se pencher vers la suite avec ce Sénégal-Zimbabwe à venir avec les Lions de la Teranga qui sont en passe en cas de succès de se qualifier, de valider cette qualification déjà pour les quarts de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations. A tout de suite.